Nous sommes allés nous promener vers l'ouest de la Lozère et plus précisément à la Canourgue. C'est une authentique cité de caractère et au charme fou. Que dire des vieilles rues moyenâgeuses, pavées et bordées de ruisseaux, agrémentées de sculptures contemporaines? Comment ne pas succomber à cette maison médiévale à pans de bois? Et c'est au détour des rues et ruelles, toutes plus ravissantes les unes que les autres, que nous apparaît une placette où le temps s'est arrêté comme par enchantement. Et décidément, le temps n'a pas de prise place au blé. Plusieurs boutiques, dont l'horlogerie, la coutellerie et l'enseigne au charme certain des cycles Peugeot. Nous sommes accueillis en toute simplicité par la famille Merle, père et fils. Depuis plusieurs générations, les Merles sont les héritiers et les maîtres du temps. Et justement, je vous laisse savourer ces précieux moments de partage avec nos amis qui évoquent le bon temps passé. En 1898. Et ça a démarré comment, alors, l'histoire? Et c'est mon arrière-grand-père qui l'a créé. Alors racontez-moi cette photo. T'étais pas né là, hein? Oh non. Ah non, non, j'étais pas né. Ouais, c'était lui, ça c'était mon arrière-grand-père. Là-bas, ça se... Il s'appelait comment l'arrière-grand-père? Firmin. Firmin. Sanson Firmin. Sanson Firmin. Et bien, et il a un de ses fils qui a créé l'aérodrome de Mende. Ah d'accord. Charles Sanson, c'était son fils. Et d'accord. Oui. C'est pour ça. L'aérodrome. Et ouais, il était horloger à Mende et il était passionné d'avion, il avait créé l'aéroport. Enfin, l'aérodrome de Mende. Donc autant dire qu'on a un arbre généalogique qui... Non, c'est juste, ça, mais c'est la maison de là-bas. Voilà, là, t'as le balcon, voilà. C'est là qu'il y avait l'atelier. Et l'arrière-papette, alors le matin, il faisait de l'horlogerie, et l'après-midi, il faisait vélo et moto. Eh oui. Ah, ça, c'était le bon tonton, comme on dit. Oh putain, oui. C'était un là. Mais c'était son frère, hein. Et oui, c'est mon frère. Vous pouvez rentrer à l'école, là. Je suis représentant chez Style. T'étais pas né quand le papette. Nous. Alors le grand-père, il m'a appris le métier. C'est vrai? Ah oui, oui, là le voilà. Hein. C'est pour ça que j'étais toujours en forme. Voilà. Hein? Et comment il vous a appris le métier alors? Ça s'est passé comment? Eh bien, quand je suis revenu, moi j'ai fait d'abord 28 mois d'armée en Allemagne, que j'étais bien content. On a fait une bonne cure de bière là-haut parce que c'est le pays de la bière. Et bien, je suis arrivé du régiment en 22 ans, par là, grosso modo, mais c'est avec le grand-père, il m'a appris le métier. Voilà. Mais t'as appris sur le tas, hein. Comme on dit, c'est resté dans la famille, et puis personne ne reprenait donc. Ah ouais, il répare les pendules, mais là. C'est génial. Donc ça, cette photo était prise en quelle année, à peu près? Oh, alors la bonne question. Moi, je n'ai pas né. C'est quoi, ça, c'est des années, quoi, ça, c'est des années 30, c'est des années... Mais c'est... C'est 40, je sais pas, ouais, c'est mieux, ça. C'est peut-être après la guerre, peut-être. Là, c'était sous le porche, là-bas. Alcyon, ça n'existe plus. Le porche, il y est toujours, hein. Eh oui. Mais c'est la maison au pan de bois. Lui, à mon avis, il partira pas. Ah non, c'est la maison au pan de bois. Même à l'époque, le papette, toi, il faisait même du vélo de course, hein. Avec la blouse. Ouais, ouais. Mais remarque, avant, c'était le moyen de locomotion, hein. Mais là, le coup, il faut le tourner. Se déplacer soit en moto ou en vélo, hein. Il n'y a pas autre chose. Hein. Les voitures, ça n'existait pas. Hein. Ou alors, c'était rare dans le pays. Tous les clients que j'avais qui descendaient du côté de la Val du Tarn, de Saint-Georges, déjà, ils avaient tous des mobilettes à l'époque. Hein. Oui, c'est sûr. Puis alors, quand ils venaient à la foire à la Canourgue, ils venaient mettre la mobilette devant la porte, là, là où je réparais les cyclos, là-bas. Alors, avant de partir, ils me disent, mets-moi la mobilette en route, merde, parce que on a chargé la mule. Hein. Alors, c'est la mobilette qui montait tout seul dans le sabot. Ah, c'était un bon moment, ça, là. C'était la bonne époque. Et pour n'importe quoi, hein. Ouais, c'est sûr. Il y a un câble d'accélérateur. Ah, comme ça, attends, on va regarder sur Internet. Un câble, quoi, comme Internet. Le bruit, ça, comme ça. Là. Ah, vous. Ou un poil plus gros. Tiens, ah ben là, peut-être, il va falloir que tu limes un peu, hein. La tête, elle est légèrement plus grosse. Pourquoi ça râle, ça? C'est parce que j'avais... Ça passera pas? Non. Eh bien, ça se lime, ça. Avec une lime, tu sais pas le faire, ça? T'as une lime, toi? Si, hein. Si. Eh bien, la lime, hein. Et non, mais la boule après, mais système D. Quand tu vois tout l'usinage, avant ils savaient travailler les gens. Tu vois, mais ils n'avaient pas d'électronique. Ah non, non, ils n'avaient pas d'électronique. Regarde sa machine à lui là. Ah, tu oui, crois oui. Qu'avec eux on aurait pu faire des. Putain, ça c'est de la montre, hein. Là, c'est surtout qu'il est en bel état, quoi. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas... Il est pas Tu fais que le nettoyer, le repolir, parce que si je... Voilà, et après, quand t'appuies dessus, voilà, ça débraye pour tourner les aiguilles. Par contre, là, oui. Vite. Non, mais même là. Mais mets-toi vite. À midi, ça ne va pas correspondre. Là, regarde, on n'est pas bon. Là. Voilà, tout à fait. Mais tu vois, tu vas t'occuper de tout ça. Qu'ils auront récolté, et donc ils auront ce montant d'euros pour
acheter aux enchères les looks. Ah oui, il y en a deux. Et t'as rien de marqué. Non, parce que des fois, c'est marqué à mon père. Ah non, c'est ça, ouais. Vous savez quand même que vous avez le droit à l'image. Parce qu'à la rigueur, ça, t'es pas obligé de le fermer. Tu peux fermer que celui-là de l'extérieur. Ouais, au moment, et le samedi après-midi. Ouais, il n'y a plus personne. Allez, un saut. Encore merci pour cet accueil si chaleureux. J'aurais tellement aimé connaître Lou Papé qui faisait du vélo de course en blouse. Bon, il se fait tard et comme le souffle Bernard Merle, il est midi à la soupe. C'est vrai qu'on a un cadre de vie, il faut être honnête. On est sur une autre planète. Oui, clairement.